Kumbu imeshaanza Atrabara FC kutoka kule Sudani Kusini dhidi ya TP Mazembe Anglaba kutokea Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, mabingwa mara tano wa ligi ya mabingwa barani Afrika, miamba mikubwa kabisa ambayo ina alama tatu. Na uwanja una maji hapa, kumbuka mvua imenyesha saa chache kabla ya kabumbu kuanza. Le tout puissant Mazembe finit la phase de poule en frappant fort 6 buts à 1 contre Atlabara du Sud-Soudan. Conscient de l'enjeu que revêtait ce match, les coéquipiers de Renford Kalaba ont activé le compteur but de la 4e minute. Un véritable capitaine, Kalaba offre un caviar à Jackson Muleka qui a fait trembler le filet pour la première fois dans ce tournoi. Mais les Sud-Soudanais répondent immédiatement par Obenyomo Philippe. À la 5e minute, le score était d'un but partout. Et c'est Kofi Kwame qui replace à nouveau le noir et blanc en avant-plan du plat du pied sur un ballon mal renvoyé par la défense après un corner de Renford Kalaba. Akamwekea sadaka ya bedele bure kabisa Christian Kwame, what a passion, fantastic finishing. Et c'est en deuxième période qu'il y aura un festival de réalisation. D'abord, Arsène Zola illumine Glody Likonza à peine entré à la place de Nicolas Kazadi pour le troisième but. Ametoka na goli lake kwenye bench, amelikalia kitako. Likonza Claude anapiga magoti kumshukuru mwingi Mungu mwingi wa rehema. Puis Jackson revient pour son doublé du jour. Le service est de Giovanni Ipami. Un ballon qui n'est pas bien capté par le portier Camille Daniel. Et l'avant-centre de Kobo était en embuscade. Reprend ses cuirs d'une retournée. I'm a big acrobatic, semi-acrobatic bending shot. Jackson Muleka, Aulane kwa tipi Angleba Mazembe. Déjà deux fois buteur, Muleka s'est transformé en passeur pour son capitaine Kalaba, 5 buts à 1. Renford Kalaba! Bazuri sana la fungu hapa. Gongeana ya mana kweli kweli. Hamsa, Hamsa, Hamsa Atrabara anapigwa hapa. Hamsa. Enfin 6-1, Renford Kalaba sera la conclusion d'une action dont il sera lui-même initiateur du projet à la 87e minute. Le Kobo se qualifie ainsi en quart de finale avec brio. Uchopo Sita! Sita! Et pourrait rencontrer soit KCCA de l'Ouganda ou encore Azam de la Tanzanie.